Et salut à tous, c'est Mr. Wolf et on se retrouve pour le 15ème let's play de Crash Bandicoot 3. Là je suis assez content de moi en fait. Parce que j'ai vérifié dans tous les niveaux en fait. Donc vous voyez je suis à 98%. Et j'ai vérifié dans tous les niveaux, il m'aurait manqué 2 reliques. Voilà, et là il m'en manque 2. Vraiment 2. Et en fait c'était les 2 reliques du monde 31 et 32. Alors j'ai beaucoup de mal à les avoir, je suis très content de les avoir eu. Donc il manque les 2 diamants de ce monde-ci plus la relique. Et les 2 diamants de ce niveau-ci plus la relique. Donc voilà nos 4 derniers diamants et nos 2 dernières reliques qui sont là. Donc allez, on enchaîne tout de suite. Area 51. Donc la zone 51 hein, pour être plus précis. Allez c'est parti, alors là on y voit que dalle par contre. On y voit vraiment rien. Et le but c'est d'arriver premier. Et de ramasser toutes les caisses hein, bien sûr. Sauf que là pour arriver premier faut dépasser tous les vaisseaux spatiaux. Ces vaisseaux spatiaux pardon. Et ça c'est coton. Alors là vous voyez les flics ici nous foncent dessus. Merde j'ai loupé une caisse. J'ai essayé d'arriver premier. J'aurai les caisses après. J'essaye toujours de faire gaffe parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment coton. Ouais voilà. Aïe aïe aïe. J'arriverai pas premier, j'aurai pas les caisses. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais retourner à la Warpoom. Et recommencer. Parce que là je les aurais vraiment pas. Hein. Ah, ils sont encore plus durs que les voitures. Hein. Vous avez vu en plus ils sont très espacés. C'est chiant. Là faut vraiment que je prenne un départ excellent. Si je veux réussir. Allez, concentration. Loupé. On va essayer le chrono en même temps. Allez. On va tout faire en même temps. Alors je me tais, hein, je me concentre. Ce qui est chiant, c'est que je ne vois absolument pas les caisses avant qu'elles m'arrivent dessus, quoi. Donc je ne peux pas... Je ne peux pas dire de calculer une trajectoire précise. Hein. Ça, c'est vraiment coton. Bon, ça va, il n'y en a pas énormément. Enfin, 24, c'est quand même un chiffre assez conséquent, mais... Alors ce qui est bien, c'est que les petits vaisseaux spatiaux nous éclairent en même temps le chemin. Ah zut! J'ai loupé des caisses. Ah! Faut toujours essayer d'avoir un diamant et le chrono. Alors j'ai pas vu à combien était le chrono. J'ai pas vu du tout. Wow! J'ai oublié ce passage. Ouais, mais laisse-moi passer. Eh merde. Ouais bah j'aurais pas le... J'aurais aucun diamant. Purée, ils font exprès là. Oh non. Bon bah là faut surtout pas doubler par l'extérieur. Il est super dur ce niveau. Je ne sais même pas si j'aurai la relique. Avec le temps que je suis en train de faire, je sais même pas si j'aurai cette relique. Oh oh. Ouais d'accord. J'aurai rien du tout là. Ouais ouais, un niveau fail. On va recommencer. Au moins que je vous montre directement le tout dernier niveau. Ah non, je peux recommencer.
Je peux recommencer directement, c'est bien ça. Bon allez, concentration. Tu m'auras pas cette fois. Faut vraiment que j'essaie qu'il ne me pousse pas. Quand je suis dans le bras. Faut le dire. Merde, une caisse. Alors je l'ai bien rattrapé, mais j'ai un peu loupé ce que je voulais faire. Eh merde. Surtout que je me laisse pas doubler là. Super important, pas se faire doubler. Si vous voyez déjà que j'ai du mal à en doubler un. Alors si en plus je me refais passer devant. Quatrième, c'est bien ça. Je crois qu'on est déjà mieux placé que celle d'avant. Je sais, au truc de course, je dis tout le temps ça. Ça me rassure, en fait. Ça me rassure de dire ça. Ah tiens, ouais, j'étais mieux placé qu'avant. Hein. Ça me rassure. Ça m'évite de me dire que je suis nul, quoi. Bon, il est où ce premier ? Ah, il est là. Donc ça veut dire que je vais pas tarder à le doubler lui. Voilà. Et le premier est juste là. J'espère que je l'aurai. Non, je l'aurai pas. C'était à deux doigts, hein, mais je l'ai pas eu. Bon, moi j'ai la relique. Ça, c'est un bon point. Alors cette course là, bah, vous avez vu comment elle fonctionne, hein, je la ferai hors vidéo, parce qu'elle est vraiment terrible. Et je vais vous montrer le niveau que j'affectionne particulièrement, le niveau 30. Je l'adore ce niveau, je l'avais jamais fait étant petit, j'avais pas réussi à le débloquer, mais je l'adore. En gros c'est donc comme les avions classiques, sauf que on peut toujours dégommer les ennemis, hein, mais c'est une course, et là... Pour gagner, il faut passer entre les anneaux en faisant une attaque, ou passer tout simplement entre les anneaux, mais on va beaucoup plus vite en faisant une attaque vrille dans les anneaux. Bien sûr, il faut passer par tous les anneaux, hein. Je vais arrêter de tirer, parce que je le ferai après. Et on va beaucoup plus vite quand on fait une attaque, quand on va passer dans l'anneau. Alors par contre, des fois, il faut faire attention. Parce que en fait, je fais l'attaque que quand il y a des anneaux bien séparés des uns des autres. Parce que sinon, on a trop de vitesse. Et on peut louper des anneaux. Alors quand on loupe l'anneau, bah, faut faire demi-tour et faut revenir sur ses pas. Je vais avoir deux anneaux, ça c'est génial. Enfin, deux anneaux, non. Merde. Voilà ce que je vous disais. On perd du temps. Voilà. Je préférais me suicider. Allez, on recommence. J'étais bien parti, hein, par contre. Allez. Ah, il m'a poussé. Recommencer. Il m'a poussé, je suis dégoûté. Allez. Alors lui, il a un bug. Ah,
Ah, j'ai passé ma vie à faire ça. C'est vraiment les deux niveaux les plus durs avec Crash. Allez. Attends, j'étais bien parti tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis plus concentré. C'est peut-être ça. Si je prends pas large mes virages. Oh non, l'aile a touché. Le bout de l'aile a touché. Allez, cette fois, c'est la bonne. Mais ça m'énerve, ça. Il me pousse. Faudrait que je le dégomme. C'est mort. Je vais faire un épisode fail. Hein. Épisode 15, ce sera un épisode fail, tant pis. Enfin, fail, non, j'ai quand même réussi à récupérer une relique. C'est pas mal, hein, déjà. Vous avez pu voir, quand j'ai fait start, on est à 99%. C'est bizarre. Parce que je n'ai pas tous les diamants, j'ai pas... Enfin, les reliques, je les ai presque toutes. Si on arrive à faire un 100%, je comprends pas. Après ce niveau-là, si on arrive à faire un 100%, je ne comprends absolument plus rien. Alors, je ne sais pas où est le premier. Ah, il est juste là. Allez, on va doubler ça vite fait, bien fait. Oh non, ouais, oh. Bah, j'ai le diamant. Alors, est-ce que j'aurai la relique? Je ne sais pas. Non, j'ai pas la relique. Bon, tant pis. La relique, je ferai hors vidéo. Hein, vous avez compris. Vous avez compris les deux niveaux qui restaient à faire. C'est que de la course et ça, c'est pas très intéressant. Donc, je pense que je vais couper ici. Et la prochaine fois, on ira attaquer Cortex pour finir ce 100%. Quoique, non, 99%. Donc voilà le programme de la prochaine fois. Alors surtout, je vais sauvegarder. Parce que la dernière fois, j'ai oublié, en fait. La dernière vidéo, j'ai oublié de... Enfin, avant-dernière vidéo, j'avais oublié de sauvegarder. Et j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que j'ai dû tout me retaper. Enfin, quoique, je ne sais plus si c'est l'avant-dernière ou la dernière vidéo. Enfin, une des vidéos où j'ai fait ça et... Voilà. Enfin bref. Et ben voilà, nous avons fini. Dans l'épisode prochain, nous aurons le combat final. J'aurai récupéré toutes les reliques. Enfin, la relique qui me manque. J'aurai récupéré les 3 diamants qui me manquent. Vous avez compris le principe, donc je ne vais pas vous le montrer. Ça va être ennuyeux pour vous et surtout pour... Enfin, pour moi et surtout pour vous, par contre. Pardon, parce que... Ouais, vous avez pu voir, c'est un niveau où je vais galérer. Donc je préfère directement faire ça la prochaine fois. Donc on se retrouvera pour l'épisode 16, l'épisode final de Crash Bandicoot 3. À la prochaine !